Hello les amis, voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Marvel Spider-Man, une série que je suis en train de kiffer vraiment et que je vous amène après avoir fini Marvel Avengers, qui a été terrible aussi, que je vais vous apporter par la suite quand j'aurai un peu plus de temps parce que là je suis en train de vraiment travailler dessus sur YouTube à mort. Mais dès que ça ira un peu mieux, j'irai aussi sur l'autre plateforme pour vous apporter des lives online et tout, voilà. Avec ça, moi je dirais déjà, merci pour ceux qui ont liké mes vidéos, qui sont abonnés, et j'espère que vous allez être nombreux, surtout, merci, ça serait vraiment un plaisir. Je suis déjà à 1500 visualisations, c'est pas des likes ou c'est pas des commentaires ou autre chose des abonnés, mais c'est quand même 1500 visualisations sur ma chaîne, c'est déjà quelque chose de terrible pour moi. J'espère que ça va continuer. Donc continuez à mettre des likes, à partager mes vidéos, à vous abonner, à venir voir sur mes réseaux sociaux ce que je fais. Voilà, allez, on est parti. La fête de Maï va bientôt commencer. Oh oh. Voilà, on se retrouve dans Spider-Man à la canadienne. La fête va bientôt commencer, il a dit. Bon, on va aller voir ça tout de suite. Oh. Je pense qu'elle va se fracasser encore contre un bâtiment. Oui, parce que dans l'épisode précédent, je me fracassais souvent dans les bâtiments, en fait. Tel qu'une araignée. Et maintenant, les mails des auditeurs. Où tu vas? May du Queens nous écrit. Vous êtes rempli de colère et vous devriez consulter quelqu'un. Allez, Spider. C'est très mauvais pour la santé. Je sais bien, on va se changer. On va se change. Voilà, que la fête commence. Monsieur Lee doit être en cuisine, en train de préparer la fête. Bonsoir les amis, je suis Peter Parker. Bon, on va aller voir ça tout de suite. Où se situe la fête? Ok. Salut, tu vas comment? Tu vas bien? Tu vas comment? La partie se passe bien? À ton avis, je gagne bien sûr. Il commence à devenir sénile, Pete. Je suis en train de l'écraser. Oh, le plus important, c'est de s'amuser. C'est sûr. Je m'amuse comme une gamine à lui botter les fesses. Je vois ça, vous êtes en train de danser la Java, presque. On joue pour des cacahuètes. Allez, on s'en fout. Merci. C'est bien. C'est pas trop mon truc. J'ai autre chose à faire. Plus importante. Ah, Peter. Oh, comment monsieur. Non, vous. Je fais que passer. Oh, ça parle de Spider-Man. Bonsoir les amis, vous êtes où? Tu es là, ok. Ah, Martin, désolé pour le retard. Dis-moi, il faut faire quoi? Essaie de l'occuper pendant qu'on prépare la surprise. Ok, pas de problème. Ça, c'est un truc que je sais faire, occuper les gens. Hé, mais c'est ma tante préférée. Peter, ça pour une surprise. Je peux t'aider? Oui, si tu veux. Oh, et il y a des boîtes très lourdes. Non, pardon, je voulais dire un peu plus tard. En fait, je suis venu pour. J'avais seulement besoin de parler. D'accord. Très bien. Peter. Tu as des problèmes? Tu as besoin d'argent? Enfin, je suis un peu en retard sur mon loyer, mais. Non, ça va. Encore des problèmes de cœur, c'est ça? Quoi? Non, pas du tout. J'aimerais tellement que ça marche entre MJ et toi. C'est une fille très bien. Je sais, mais. Et tous les deux, vous feriez de si beaux bébés. Peter. trop fort. Allez. Dis-lui. Dis-moi tout. Allez. Toutes ces dernières années. Tu m'as aidé dans mes études, tout en travaillant ici. T'as fait tellement de sacrifices et sans contrepartie. J'aimerais qu'il y ait plus de gens comme toi dans le monde. Il a raison. Il y a 5 ans, vous êtes arrivé ici en disant admirer ma détermination à aider les autres. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous admirer. Merci, May, pour tout. À ces 5 années et à celles à venir. C'est bien. Un petit beau moment.
avant la guerre, parce que voilà, merci encore d'avoir préparé chez Spider-Man, c'est jamais calme. Hein. J'aurais aimé pouvoir faire plus. Eh bien, Tante May m'a toujours dit que sauver une personne, c'est sauver tout le monde. Mm. On devrait peut-être envoyer May à l'hôtel de ville pour discuter avec le maire. J'ai mon téléphone qui vibre. Oh, il faut que je file. Merci encore pour la fête et le reste. Ça compte vraiment beaucoup. Il se passe quoi? Un message vocal de Yuri. Je devrais l'écouter dehors. Cours, cours, Forest, cours. Salut, Pete. La tante est derrière, je crois. Pense fort à ce que tu veux et l'univers t'exaucera. Bon, ici, c'est, apparemment, c'est tout est sans-abri. Peter, c'est ça? Ah ben, c'est celle que j'ai sauvée. Je vais te montrer des photos de toi, bébé. Moi, c'est Gloria. Je suis nouvelle ici. Spider-Man qui m'a conseillé cet endroit. Ah, c'est vrai. Enfin, cool. Vous vous plaisez ici? Les gens sont sympas. Je vais peut-être rester. Au moins un peu. En tout cas, n'hésitez pas à me faire signe si je peux vous aider. Celle qu'on a sauvée première mission, je pense. La deuxième. Alors, que dois-je faire? Message vocal de Yuri. Hé, hey, alarme silencieuse à la salle d'enchères où se déroule la vente des biens de Fisk. Vous pouvez jeter un œil? Discrètement. Je ne veux pas faire du bruit pour rien. Les biens de Fisk? Génial! Je me demandais ce que le Kingpin cachait dans ses placards. Mmh. On y va, on y va, on y va. Waouh! Celle-là, c'était pas mal, celle-là. Précédé, on nous a signalé une vente de stupéfiants. Ouhou. Le signalement a eu lieu à Murray Hill. Wow. Les missions secondaires, j'ai envie de les faire après. Pour le moment, là, j'ai envie d'avancer un peu dans l'histoire. Hé, hey, Spider, on fait quoi, là? J'ai appuyé le bouton 4 fois. Mais qu'est-ce que c'est magnifique de voler dans New York ainsi. Waouh! Allez! Peter, je t'ai pas vu qu'était la fête. Ouais, j'ai dû filer au labo. Désolé. Ne t'excuse pas. Mmh. Je voulais seulement te dire à quel point tes mots comptaient pour moi. Je me demande toujours si je fais ce qu'il faut pour toi. Ouais, ouais, ça c'est sûr. Mais après avoir perdu mes parents, mon oncle Ben, il y a tellement de fois où j'aurais craqué s'il n'avait pas été là. Eh bien, c'est valable dans les deux sens, Peter. Je tenais juste à ce que tu le saches. Mais je sais pas quoi te dire. Oh, je crois que Monsieur Lee a besoin de mon aide. Je dois y aller. À plus tard, mon chéri. À plus tard. Je t'aime aussi. Putain, mais c'est loin ce truc là. On grimpe un peu. Non, allez, ça va. On est presque arrivé. Tel qu'un gamin qui joue son petit jeu. Discrètement. Mieux vaut passer par derrière. Allez, discrètement, discretos. Allez, on passe par ici. On passe par les conduits d'aération. Encore une fois, comme des vraies araignées. Arachnophobie. Ok, on est là. Je commence à perdre patience. De quoi, lui? Eh, le dossier. Il y a une autre personne. Elle a dû le prendre. Oh oh, ça va barder ici. Qui sont ces types? Je ne sais pas, Peter, mais je sens que ça va pas aider. Que nous ici, nous trouverons le dossier. Ou vous mourrez. Ça craint. S'ils me repèrent, ils la tueront. Je dois agir en silence. Mm-hmm. Yuri, l'alarme silencieuse se confirme. Des hommes masqués, armés et une otage. On a un braquage en cours. Bien reçu. J'envoie des unités. En attendant, empêchez la situation de s'aggraver. Ça va. D'accord. On reste discret. Mieux vaut ne pas alerter les autres.
Déjeuner. Ok. C'est trop bien fait. Ils ont l'air si mignons, en mitouflés comme ça. Il est pas le con, j'ai pas le, il est pas le japonais, non? Je devrais le piéger d'en haut. Ça m'avait l'air d'avoir un langage asiatique. Alors. Bon, doucement. Waouh, tout qu'est-ce qu'il y a? Ils sont blindés. Je pense que j'ai foiré. Ça va. Bon, apparemment ça a marché. Apparemment ça a marché. Mais écoute, si ça marche comme ça, tant mieux. Allez, Peter. Peter Parker. Allez, on y va. Dites-moi, où est-elle? Je ne sais pas. Je le jure. Je le jure. Wow. Active, Peter. Les méchants vont devenir très méchants. Yan Jing Zhen Da Dian. Yo Kai Le. Ok. Donc si vous attaquez un ennemi. Vous pouvez attirer un ennemi lançant une toile. Ok, ça fut un plaisir. C'est quoi ce truc? Un appareil photo? Bouge pas. Eh merde. Mon pote, si j'avais eu un dollar à chaque fois qu'on m'a dit ça. Ouh, t'es qui toi? Ouh, t'es joli. Hey, Peter. MJ, qu'est-ce que tu fais ici? La même chose que toi. Je travaille, enfin. Je travaille. Oh, Bah ouais, elle le sait maintenant que. Donc, que c'est Robin, Spider. On va couvrir un cambriolage pour du gueule. En fait, techniquement, Robin sait pas que je suis là. Et au début, c'était pas un cambriolage. Quoi? Je t'explique. Hmm. 15 minutes plus tôt. Ok, on va voir ce qui s'est passé alors. Je peux vous aider? Bonjour, Mary Jane Watson, je suis là pour l'article sur les ventes de Fisk. Bonjour. Craig m'a dit que nous ferions ça demain. J'ai toujours aimé prendre un peu d'avance. Eh bien, je suis désolée, mais vous allez devoir revenir demain. Très bien, je comprends. Excusez-moi. Hé, hey, Craig. Non, désolé, mais je crois qu'on va devoir trouver un autre sujet pour la une. Je sais pas trop, un truc sur la toile expressionniste.
Attendez, on devrait pouvoir faire ça aujourd'hui. Vous êtes sûr? Vous êtes là, profitant de l'occasion. Je vous remercie. Elle a eu peur. Craig, laisse tomber. Fausse alerte. Très bien, allons-y. Prenez le temps de vous familiariser avec les articles. Ah, on joue avec elle aussi. Retrouvez-moi la statue de Baco quand vous serez prête. D'accord. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Qu'on joue avec, avec elle. Masque de théâtre du 8e siècle. Peter, mais j'ai jamais été fan des héros qui portent des masques. Je crois qu'être un héros, c'est aussi assumer ses actes. Dire oui, c'était moi. En tout cas, moi, c'est le genre de héros que je voudrais être. Être toi-même, c'est ça, c'est vraiment le top, ça. Les gens, ils t'aiment ou ils t'aiment pas. Au moins, tu restes toi-même. Tel quel. Je suis sûre que Fisk se voyait là-dedans. Un grand homme prêt à faire ce que nul autre ne ferait. Il ouais. est tellement mégalo. Mégalodon. Fisk a ouvert Peter en deux avec Katana, 14e siècle. Il est venu s'écrouler dans mon jardin, à moitié mort. J'ai dû voler la voiture de papa pour l'emmener aux urgences. Début de la carrière un peu trop intense de l'infirmière MJ. Je me rappelle quand Fisk a commencé à importer illégalement des artefacts comme ça. Il avait Histoire acheté le port pour couvrir ses arrières et licencié tout le personnel, y compris mon père. En tout cas, belle voix. J'aimerais qu'il soit là pour voir que la roue a tourné. Celle qui lui fait le doublage en, à la voix, franchement. Simkari. On en a pas parlé aux infos. Parfois, j'ai l'impression que toute l'histoire du monde se résume à des hommes qui se déguisent et se battent. Hein, c'est comme les politiciens, c'est la même chose. Bon, enfin, soit. On n'est pas là pour faire de la... Dites-moi quand vous voudrez commencer. Ça marche. On va quand même voir le gros violon. Le violoncelle. Pourquoi Fisk a-t-il appelé ça Vanessa? Peinture du, de sur soi. C'est magnifique. Eh oui. Ah, une partie de moi voudrait tout plaquer et parcourir le monde. Ce que je donnerais pour aller au Japon, moi. Tout d'abord, la pièce maîtresse. Un Baku Kakiemon unique. Oh, magnifique. C'est un Mifune? Exact. Monsieur Fisk a un goût exceptionnel. Est-ce que vous le connaissiez avant son arrestation? Dans un cadre professionnel, oui. J'ai géré beaucoup de ses ventes. Continuons, je vous prie. Dites-moi tout, madame. Je suis là pour vous aider, enfin pour vous prendre en photo aussi. Vous voulez une photo, madame? Photo. On va où, là? On va où? Ici, cette sublime pièce illustre la technique à l'encre diluée traditionnelle Tarashikomi. Les deux Nio sont très imposants. Je comprends que Fisk aime cette pièce. C'est tout à fait son style. Il aimait la dualité. La destruction est bruyante, mais la création œuvre en silence. Vous avez remarqué des anomalies dans les ventes que vous gériez pour lui? Non. Non, bien sûr que non. Je n'ai rien remarqué. On fait quoi? On va où? Madame? C'est vous qui faites le tour ou c'est moi qui dois vous amener? On va la faire celle-là. Voilà. Regardez les fines incrustations dorées de ce service à terre rituel. En fait, un ami du procureur m'a dit que Fisk se servait des ventes d'art pour blanchir des biens volés. Non, je ne suis au courant de rien de la sorte. Oh, je sais bien. Je me demandais simplement, maintenant qu'il est en prison, si vous aviez noté des choses bizarres. Elle pose des questions bizarres. Je me rends compte que je n'ai plus beaucoup de temps. Et si nous prenions la photo de couverture tant qu'on le peut? Quand mon ami du bureau du procureur a su que je faisais un papier sur vous, il m'a dit qu'il connaissait votre nom. Juste la photo, d'accord? Mettez-vous là. Ça va, c'est foutu. Elle veut plus rien savoir. Sûr de ne rien avoir à dire, même de vous à moi, au sujet des activités de Fisk? Je doute que vos lecteurs s'intéressent vraiment à ce... C'est pas vrai. Attendez là, je vous prie. Oh.
Waouh, je reconnais cette statue. Il faut que je prenne une photo. Ça n'a rien à faire là. Allô ? Craig, je te rappelle. Mademoiselle ? Oui. Je crois qu'il est temps pour vous de partir. Oh, est-ce que je peux utiliser les toilettes ? Très bien, suivez-moi. Merci. C'est vraiment un bel espace. En effet, et c'est la dernière fois que vous le voyez. Les toilettes pour dames sont sur la gauche. Merci, c'est gentil. Bien sûr, je me dépêche. Purée, t'es comme elle m'envoie chier, quoi. Comme elle m'envoie bouler, la femme. Eh ben, si dans un musée d'art ancienne, tu me parles ainsi, friqué ou pas friqué, je te fous un coup de boule, hein, moi. Pas si c'est une femme, mais bon, voilà. On touche pas les femmes. Tiens, salut Craig. C'est marrant que tu m'appelles. Parce que la journaliste que tu as envoyée ne travaille clairement pas sur l'article convenu. Non, elle est ici. Il faut que j'entre dans l'arrière-salle. Si cette statue est bien ce que je crois, je pourrais tenir un scoop. Comment ça, il a eu un empêchement ? Elle est où ? Si ce n'est pas ta journaliste, c'est qui alors ? Qui est dans ma salle d'enchères ? Oh mon Dieu. Non, je doute que tu puisses régler ça. Eh bien, je vais d'abord commencer par faire arrêter mademoiselle, je mène l'enquête. Allez. Et ensuite, je vais m'arranger pour te faire tomber, Craig. Oh, elle a pas l'air contente. Ouais, ça c'est sûr. Oui, c'est très clairement une menace. Bien sûr, Craig. Bon, elle fait quoi, elle ? C'est ça. Tombe-toi. Je ne te crois pas. On est passé, Ça, c'est terrible. Peter m'a parlé de ça. Fisk s'en servait pour cacher des preuves. Pourquoi la police l'a pas pris ? Je sais que cette statue s'ouvre. Mais comment ? Comment je me demande s'il y a des indices ici. Ah. C'est le nio derrière eux. Sauf qu'il est différent. Il est différent, donc comment faire comment ? Il a l'air à l'aise avec Fisk. Prendre une photo ou pas ? Non, on peut pas. Alors. Il y a quoi ici ? Des flyers. Examinez. Il tient quelque chose. Ok. Je vois déjà c'est où. C'est sur le côté là. Oh là là, il faut obligé faire l'autre aussi. Allez. La statue est articulée. La pose la plus courante est la force latente. Bouche fermée, bras gauche en bas, paume droite en avant. Peut-être que ces trucs bougent. Ouais. Non, ça non, ça c'était où ? Attends, il faut que je regarde mieux. J'ai pas bien regardé. Examiner. Bouche ouverte et la main ouverte, ok. Catalogue mentionnait deux poses. Bouche fermée, bras gauche en bas, paume droite en avant. C'est ça ?
Bah non. Le catalogue mentionnait deux poses. Bouche fermée, bras gauche en bas, paume droite en avant. Bouche fermée, bras gauche en bas. Peut-être qu'en tournant sa tête. Bien. Ok. Presque. Mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Ok. J'ai déjà vu ça. Moi j'aime bien ce... cette ambiance. Prendre. Maintenant on va la mettre là-bas. Ça ne va pas. Comment ça ne va pas? Attends, regardez ce qu'il y a dans la photo. Bouche fermée, bras gauche en bas, paume droite en avant. Le plus célèbre de... bouche fermée, bras gauche en bas, paume droite en avant, symbolisant force. Non. Ah ok, ça va, j'ai vu. Sur l'autre photo. C'est ça que je dois prendre. Allez, prends. Prendre. Normalement ça doit aller. Voilà. Super. Norman Osborn. Qu'est-ce que c'est? Le souffle du diable. C'est quoi ça? Oh oh. Mais qu'est-ce que... Excusez-moi, monsieur. Non, vous ne pouvez pas. J'aime pas ça. Où est la statue? Ici. Voilà, c'est des japonais ou des chinois. Mais que ça parle du Japon, je pense que c'est des japonais quand même. J'allais rejoindre la sortie quand je t'ai vu. T'as de la chance d'être en vie. C'est pas moi qui t'ai sauvé il y a 5 minutes. Écoute, je sais pas qui sont ces types, mais ils veulent ce dossier. Et je peux pas le sortir d'ici tant qu'ils occupent le bâtiment. Bon. Ok. Retourne te cacher là. Je m'occupe des méchants et tu fonces quand la voie est libre. Ça me va. C'est bon de te revoir. Ouais, toi aussi. Mais c'est pas comme ça que j'avais imaginé nos retrouvailles. C'est drôle. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. Est-ce que... elle a changé de parfum? Oh, c'est pas le moment, Peter. Alors moi, j'irai de finir cet épisode ici. J'espère que vous avez aimé. Ça fut plus un épisode où il y a eu beaucoup d'histoires, pas beaucoup d'action. Donc c'est quand même pas mal, je trouve. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, venez voir mes vidéos, ma chaîne. Franchement, je vous attends nombreux. Un grand merci, à la prochaine. Ciao, ciao.